On a été réunis par la metteur en scène, Panchi Cavelez. Et puis, il se trouve que quand chacun a vu le nom de l'autre, il n'a pas dit « Oh, c'est avec ce con, je ne le fais pas, quoi. » Et on a fait une lecture, et puis ça l'a fait tout de suite, quoi. En général, une équipe, quand ça fonctionne, on le voit à peu près, on le voit assez rapidement, et depuis, on s'aime. Pour moi, Jean Villard, c'est un gymnase. Enfin, jusqu'à ce que je me penche sur le sujet, pour moi, Jean Villard, c'est un gymnase. Voilà. Ou un théâtre. Et puis après, on découvre le grand homme. Jean Villard, l'artisan du théâtre populaire, le fondateur du Festival d'Avignon, l'immense metteur en scène, le très grand comédien, l'incorruptible parmi les incorruptibles, le théâtre engagé. Au-delà du théâtre engagé, c'est surtout le théâtre à la portée de tous. Et sachez que dans les années 50, lorsque Jean Villard était dans un grand théâtre parisien, qui n'est plus théâtre d'ailleurs aujourd'hui, c'était... Vous avez vu, il a lu Wikipédia, hein, c'est... c'est quand il jouait au... 2000 entrées par représentation, ouais. 2000 spectateurs par soir. À Chaillot. Et qui s'est fait lourder quand même à Avignon, quand il y a eu la création du théâtre Off, où il était considéré comme ceux qui arrivaient en 68 comme un bourgeois, un conservateur. Voilà, parce qu'il montait des textes classiques. Mmh. Et c'était une façon de faire du théâtre quand même assez conventionnel, bien qu'il a inventé quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, quoi. C'est un vrai hommage au théâtre, c'est qu'on est dans l'absurde total. C'est une équipe de bras cassés dirigée par un bras cassé qui veut monter une pièce pour le soir même, mais qui savent absolument pas ce qu'ils vont faire. Donc c'est-à-dire qu'on est, y a des scènes qui sont totalement ridicules. Les gens rient beaucoup. Donc le sujet de la pièce n'est pas du tout politique, même si ceux qui la composent, pour la plupart, pas que nous d'ailleurs, sont plutôt des gens engagés, oui. On peut très bien aujourd'hui faire son métier d'artiste et rester fidèle à ses convictions politiques. Après, on n'aura pas forcément l'occasion de se faire construire la piscine qu'on espérait. C'est plus des individus comme Jean Villard qui sont à la tête de ça en ce moment maintenant. C'est plus chaque directeur de théâtre dans sa ville qui fait le choix d'apporter la culture à un prix abordable pour que tout le monde puisse venir au théâtre. C'est un directeur de théâtre, un maire qui fait ce choix-là. Et c'est plus... Enfin, il me vient personne en ce moment. Il n'y a pas un directeur de troupe qui fait ça en ce moment. Le relais a été pris maintenant par les mairies, par les... Moi je pense qu'il existe encore, des metteurs en scène et des directeurs de troupe qui sont mus par cet objectif-là, c'est-à-dire de mettre la culture à portée de tous, et la culture mais exigeante. C'est pas parce que on remplit une salle de 1500 personnes qu'il faut péter dans une bassine et que ça suffit. Oui, il faut qu'il y ait de la tenue quand même. Et d'ailleurs, à ce propos-là, je vais parler un peu de politique quand même. Toutes les villes dans lesquelles on passe, moi quand je vais avec mes solos, etc., on a tous la même réflexion, mais tous. C'est-à-dire que les budgets sont en train de baisser. Dans les théâtres, ils licencient une personne sur l'année, voire deux. Programmation, il y a deux spectacles de moins dans la programmation, voire trois. Là, on est sur la pente savonneuse. C'est les questions vérité, donc c'est très très rapide. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça vous fait de jouer sur Draguignan alors que c'est une petite ville de 40 000 habitants ? Ah bah c'est notre métier, ça, tu rigoles ou quoi? De toute façon, on est tous des provinciaux, nous. Donc, 40 000, c'est pas petit du tout. Voilà. Ouais. D'accord. Un humoriste que vous détestez? Oula, il y en a pas, mais c'est Ségolène Royal. Un présentateur télé que vous détestez? Mais on n'est pas dans la détestation, on est dans l'amour. Ouais. Ouais. Je crois que ton présentateur préféré, c'est... Moi, j'adore Élise Lucet. Le retour en politique de Sarkozy? Ça fait loupé. C'est raté, non? Bah ouais. Mais là, on l'a retrouvé le même, hein. Il n'a pas changé, hein. Moi, je dirais que c'est comme un sacré cascadeur, parce qu'avec 8, 9, voire 10 mises en examen, le mec, il retourne, c'est quand même... Il arrive avec sa cuisine.
Mais certaines personnes disent que lors de son interview sur, il me semble, sur France 2, il avait changé, il a reconquis quelques voix quand même, il a eu quelques voix. Non, il n'a pas changé longtemps, au bout de 3 minutes, c'était parti. Hein. Donc dernière, je sais plus, là, c'est la dernière victime. Qu'est-ce que vous faites? Je me suis toujours posé cette question. Qu'est-ce que vous faites juste avant de rentrer sur scène? Quel gestuel que vous avez? On fait mamami. Je mange une banane. Voilà. Il fait des étirements aussi. C'est, de nous trois, c'est celui qui se concentre le plus. Hein. Ouais. Là, nous deux, on n'est pas très concentration avant le spectacle. Voilà. Moi, je fume une clope, c'est pour la voix. Vous avez plus le temps pour une petite question. Allez, vas-y. Une qualité pour un acteur, qu'est-ce que ce serait? Savoir trouver un bon siège avant les autres. Ouais. Surtout quand on prend le bus. Moi, c'est la forme. Faut être en forme physiquement. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Faut la santé, hein. Sinon, ah ouais. Et non, sinon, comme dirait Coluche, ne pas avoir de chance dans ce milieu-là, c'est une faute professionnelle. C'est marrant parce que je pensais exactement à ça, au mot chance et à Coluche. C'est dingue, putain. Mais j'ai une qualité pour un acteur. J'ai dû inventer un truc sans le savoir. Quand on joue avec ses oiseaux, c'est être capable de se concentrer en quart de seconde. On va vous les donner. Et on va même faire mieux. C'est nous qui allons aller les chercher. Tu vois? Donc ça, tu vas pas l'apprendre sur BFM. Oui, mais c'est ça le souci. À mon avis, c'est ça le souci. S'il n'y a pas de marge, sur une page, la page, elle s'effondre, donc voilà, il y a des chemins aussi de ce côté-là. Mais c'est la connaissance que tu vas te faire, toi, qui va vraiment, en lisant les livres, tu vois, les livres d'histoire, ou en lisant les, voilà, les... Non mais là, t'as quel âge, 20 ans? Non, pas du tout, 17. 17 bah, eh ben, apprends l'histoire, voilà. Jette-toi à corps perdu là-dedans. Alors évidemment, il y a des périodes qui sont plus sympas que d'autres, qui sont plus proches de nous, où les gens ont été habillés un peu comme nous et mangeaient un peu comme nous. Et là, oui, voilà. Enfin, prends-toi un truc qui te plaît, qui t'intéresse, et puis creuse, tu vois. Normalement, ça doit t'intéresser. Ouais. Normalement, ça doit t'intéresser parce que c'est ce qui te fonde, quoi. C'est ce qui fait que tu te tiens droit aujourd'hui, qui fait que tu vis pas avec une reine ou un roi, parce que tu es en France, français, il y a eu la révolution, on leur a coupé la tête, on a piqué tout l'argent de l'église et on a séparé, on a fait la séparation entre l'église et le clergé et l'État, qui fait que tu n'as pas un mec qui vient avec une robe ou une crosse et qui dit voilà, moi je suis en liaison directe avec le Seigneur, voilà ce qu'on va faire. Ouais.